choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille du match, on va se régaler. Je ne sais pas si notre réalisateur les a montrés, mais les arches du Stade Louis II sont vraiment la signature de cette magnifique enceinte. Et voici l'hymne national de la France. Qui va donc jouer avec deux attaquants. Ah, mais c'est le système tactique de l'âge d'or du football anglais. Bon, il devient de plus en plus rare, malheureusement. Tout se perd. Alors là, soit vous jouez le bon vieux kick and rush, soit vous vous appuyez sur vos latéraux. Dans ce cas-là, l'idée n'est pas seulement qu'ils montent pour centrer, mais qu'ils occupent bien l'OL. On va voir ce que nous réserve ce match. Il s'impose physiquement dans ce duel. La passe dans la profondeur. Il frappe loin devant. La longue passe, il peut en profiter. Le bon ballon. Passe interceptée. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Pogba. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Ça joue long. C'est bien fait, ça. Centre. Il joue sur sa gauche. Et le ballon qui est remis dans l'axe. C'est bien donné. Il y a peut-être un coup à jouer. Allez, c'est dangereux! Ah, il va s'en vouloir, mais cette parade était juste fantastique. Giroud. Griezmann. Une petite faute, là. Et ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. Oh, l'intervention magnifique! La parade magnifique! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Dans la profondeur, bien vu. Ce ballon dans l'axe. Hernandez. On n'a tiré qu'une seule fois de chaque côté, il va falloir... Ce sera un coup franc, bien sûr. Et évidemment, c'est carton jaune. L'Afrique du Sud qui compte maintenant deux joueurs avertis. Hernandez. Pogba. Pogba qui écarte le jeu. Il accélère et il déborde. Il va provoquer. Il l'a vu. Quelle détente! Mais ça ne suffit pas. C'est joué long. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il préfère jouer avec son gardien.
Pogba qui a de l'espace. Ça joue long vers l'aile. Il est passé. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Tchouaméni. Pogba. Bien travaillé dans la surface. Griezmann. Le danger est repoussé. L'arbitre signale une faute. Dégagement du gardien. Mbappé. Il joue en profondeur. Il tente de se dégager. C'est centré. Et la défense qui s'offre un répit. La tentative. Et la défense pousse un gros rouge de soulagement. Dembélé. La longue ouverture sur l'aile. Le ballon dans la surface. Il est là pour dégager. Pogba. La tentative. C'était bien joué. La passe au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense pourra intervenir beaucoup plus rapidement. Pogba. Raphaël Varane, la longue passe, le bon appel du défenseur. Danger repoussé pour le moment. Premier corner dans cette rencontre. Pas de chance sur ce coup. Poursuit son accélération. Pogba, un ballon intéressant. Oh, le tarloté. Le ballon sort du terrain. Hernandez. Hernandez qui cherche à construire. Minutes au chronomètre dans cette première période. Quel timing dans l'interception. Giroud. Bon service dans la profondeur. Le ballon dans la profondeur. Bien, un peu de répit. Pogba qui est récompensé de son pressing. Bien joué ça. Il met le ballon dans la surface. On peut y aller. Oh, c'est ce qu'il fallait faire, dommage. Bonne technique, ça manquait juste un peu de précision. Passe en retrait vers son défenseur. Ça joue long. Bonne lecture de la trajectoire. Un long ballon. Il allonge. Il a stoppé l'attaque adverse. Voici Giroud.
Tchouaméni. C'est osé. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est une faute, l'arbitre intervient. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. C'était une bonne intervention. Bien, la profondeur. C'est joué dans l'espace. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. C'est joué long, attention. Il envoie le ballon dans l'axe. L'Afrique du Sud qui a le contrôle de l'entrejeu. Il change le jeu. Ils ont changé d'aile. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il cherche à le servir. Ça joue long vers l'avant. Oh, l'intervention de Varane. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. La France, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Tchouaméni. Griezmann, il choisit la profondeur. Une longue passe. Oh, s'il réussit son contrôle. Tchouaméni. Dombélé. Mbappé. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Et il perd l'équilibre. Tchouaméni, Dombélé. Et ils essaient de repartir de derrière. Hernandez. Raphaël Varane. Cette passe en profondeur vers Giroud. Bien tenté. Là, il peut centrer. Dans la profondeur. Attention, dans l'axe. Bien servi. Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Il allonge le jeu. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Concentre ses efforts défensifs dans l'axe. Oui, on dirait qu'ils ont peu. Oui, il peut frapper là. C'est bien entré cette fois. Et c'est un but.
tir est-il difficile à capter. Bien joué. C'est reparti, ça fait 1-0. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à la pause, mais ça a bien marché en tout cas. Et les voilà devant. Il allonge vers l'avant. Tchouaméni. Il cherche la profondeur. Griezmann. Oh, il y a danger. Il tente sa chance. Bonne intervention pour pas. Il rate le cadre. Oh, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. C'est l'occasion de procéder à un changement. Benzema qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Avec un... Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Et l'arbitre met la main à la poche, logique. La France qui compte maintenant deux joueurs avertis. Coup franc direct. Benzema qui se montre intraitable dans ce match. L'Afrique du Sud qui tente de belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? C'est vrai, Grégoire. Mbappé. Mbappé ! Le plus loin possible. Dombélé. Qui est le premier sur ce ballon? Bien, un peu de répit. C'est Pogba qui centre. Hors jeu apparemment. Gardien dégage, loin. C'est joué long. Le long dégagement du gardien. C'était un peu téléphoné, Campas. Dombélé. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Mendy. Bien servi sur le côté. Et c'est donc un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. Il tente de la
jouer dans l'espace. Hernandez. Ça joue bien côté gauche, il faut assister. Il enroule ce ballon dans la surface. La défensive peut frapper là. Diaby, il va tirer ce corner. Un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. C'est joué dans la profondeur. Il ne résiste pas au contact. L'arbitre signale une faute. C'est une bonne situation sur l'aile gauche. Le bon dribble. Il va au duel. Ça va sur l'aile. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Coman. Ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. En retrait pour repartir proprement. Une très longue passe. Kimpembe, belle intervention. Il y a du mouvement. Oh, Benzema. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Allez, plus que quelques instants à tenir. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Et il cède sous la pression. Et ce sera une faute. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Ce ballon bien dosé. Long ballon dans le sens du jeu. Mais attention, le temps file, il faut mieux utiliser le ballon. Dans la profondeur, c'est reparti, ils peuvent contrer. La passe est précise. Dans la profondeur, ça peut faire mal. Et il recolle dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Voilà, un coup franc intéressant. Oh, il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois.
Ils ont encore du temps pour jouer ce dernier coup franc. Le bon dégagement. Ça peut être dangereux. Oh, la main ferme. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. L'Afrique du Sud qui effectue donc un nouveau changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant. Il la repousse. C'est fini. Le match est terminé. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Nos entraîneurs ont tout essayé, les joueurs tout tenté. On s'est quand même régalé devant ce spectacle. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. C'est toujours un bonheur.